Two kiss. C'est celui-là qui fait Stephen Seas. Ré. Il n'y a que du ré, quoi. Tu peux pas tout faire. C'est clair qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire. Mais par contre, il y a des choses. D'ailleurs, c'est avec cet accord-là que j'ai fait l'arrangement au bavardage. C'est la guerre pour chercher la corde à vide, le maximum de corde à vide. J'ai laissé d'être le plus fier. Et là, comme tu as deux cordes qui sont accordées pareil, tu as à la fois la possibilité de faire presque comme un dulcimer. Parce qu'elles sont jamais, surtout dans mon cas, totalement accordées. Comme vous avez pu voir. Et si tu fais... Effectivement, par rapport au dadgad que tu peux pas faire, quoi. Là, tu restes quand même très bourdon et très tenu à aménager les chansons. Certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Ça donne une ambiance particulière. Comment ? Ça donne une ambiance particulière. Ah ben oui, c'est clair. Mais Stephen Stills, il y a Black Queen qui est super. Il y a Bluesman sur l'album Manassas, qui est une pure merveille, qui joue au picking, là je peux plus malheureusement. Mais lui, il en fait vraiment des merveilles. Mais c'est son accord, c'est le seul, je crois. Enfin, lui, il a piqué un bluesman, j'imagine, quelque part. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent aussi fort. C'est bien d'avoir, tu vois, une guitare comme ça. C'est pour ça que je la garde tout le temps, parce qu'effectivement, d'une part, c'est un peu fastidieux de réaccorder. Mais c'est bien d'en avoir une comme ça à portée de la main. C'est quand t'es dans une humeur un peu mélancolique, c'est l'accord idéal. Et j'en ai un autre, donc c'est celui-là qui est venu après le... En fait, j'ai commencé avec l'accord ouvert. Et ensuite, c'est celui qui m'a servi là, pour l'ennui du roi et pour... Là, c'est donc mi la ré mi la mi. Bon, c'est pareil, on peut pas tout faire avec non plus, mais on peut vraiment donner une ambiance à des chansons tout de suite. Je ne joue pratiquement que sur les trois cordes graves. De la chanson des Stones, she will never say where she came from.
moins souvent, parce que je joue moins souvent acoustique, sauf pour le plaisir à la maison, mais avec celui-là, j'ai fait la danse des macareux. Maintenant, c'est David et Jacques Pellen qui jouent toute la partie difficile. Je ne sais pas si vous connaissez ce morceau. Non, la danse des macareux, c'est un truc un peu de fou, un travail de... Il y avait un travail de main droite. Un travail de... Peut-être vous seriez mieux assis, les gars, non? Ah ouais, hein? Du coup, assis, donc, je viens là. Assoyez-vous. Ah non, mais on est bien là aussi. Ouais. Le Danard Class commence, en fait. Mais, ouais, en fait... Non, en fait, la connerie que j'ai faite dans les années 80... J'ai commencé en 91. J'ai fait comme beaucoup, j'ai divorcé, et puis c'était un peu compliqué. Et j'avais deux solutions, soit de passer mon temps au bistrot, ou soit de bosser. Quoi. Donc j'ai été un peu au bistrot quand même, pour noyer mon chagrin, et rock'n'roll, et puis et j'ai bossé, et j'ai décidé d'apprendre le piano. Et là j'ai fait une grosse connerie, moi, j'ai commencé à bosser le piano, mais comme un fou, par total manque de confiance, j'ai fait des gammes et des gammes et des gammes, et surtout à la main droite. Donc, je me rappelle quand on enregistrait l'héritage des Celtes à Dublin, je venais 2 heures avant les séances, c'est-à-dire à 7h30 le matin, parce qu'il y avait un Steinway, et de bosser sur le Steinway, c'était absolument fabuleux. J'étais dans le grand studio tout seul, et je faisais mes gammes sur le Steinway, et j'en ai fait des gammes. Et en 93-94, curieusement, quand ça a commencé à marcher pour moi, parce qu'avant j'avais toutes mes capacités, mais ça ne marchait pas forcément très bien. Et quand on a commencé vraiment à vendre beaucoup de disques, c'est là que j'ai ressenti le plus grand handicap de ma vie. Donc c'est le monde à l'envers. Et j'ai commencé à sentir ma main qui ne répondait plus et qui se fermait. Quoi. Donc je me suis dit, la connerie, j'ai pas assez travaillé. J'ai travaillé encore plus. Et j'ai bousillé la main droite. Donc j'ai une dystonie de fonction. J'ai des vidéos, j'ai trouvé des vidéos en anglais qui expliquent vraiment bien ce que c'est une dystonie. C'est important de le savoir pour certains qui sont comme moi, qui n'ont pas confiance et qui bossent de trop, inutilement, et qui peuvent avoir... J'ai une vidéo d'un guitariste américain qui est vraiment super. Lui, il a chopé sur ses deux doigts-là. Les deux doigts ne répondent plus. C'est-à-dire, il ne peut plus. Et il joue, clac, les deux doigts, il se... Moi, c'est pareil. Des fois, je crois que j'arrive, je peux faire un arpège ou deux, mais là, j'ai un peu le trac, mine de rien. Je sens tout de suite que ma main est prête à se replier. Et donc, voilà, j'ai été voir une clinique de la main, on m'a dit diagnostiquer la dystonie tout de suite. On m'a montré les exercices pour renforcer les muscles qui tirent la main en arrière, en fait, parce que la main ne travaille que comme ça la plupart du temps. Et donc les muscles, à force de la faire travailler comme ça, les muscles qui tirent en arrière, on m'a dit, bon, c'est des vacances, on va se barrer. Puis un jour, ils ne remontent plus, ils ne tirent plus, ils ne retirent plus la main. Et donc, on peut faire des exercices pour... J'en ai 5 ou 6 que j'ai repris, d'ailleurs, le fait de venir vous voir... De retravailler l'acoustique et de me rendre compte à quel point j'ai ce handicap terrible. Hein. Je me suis dit, tiens, le professeur Chamin, il m'avait montré des exercices. Donc je les ai repris un peu. Donc tous les matins, je fais des exercices un peu tout bêtes comme ça pour essayer de. En fait, ce n'est pas une musculation, mais c'est essayer de reprogrammer toute une chaîne musculaire qui s'est déprogrammée. Et je ne suis pas le seul, il y en a plein à qui ça arrive. Et si j'avais été guitariste classique, il ne me restait plus qu'à appuyer sur la gâchette. Quoi, parce que là, je ne pouvais plus jouer du tout. Quoi. Si j'avais pas eu la chance d'avoir fait un peu de rock'n'roll et d'avoir joué au Mediator, j'aurais été handicapé, c'est-à-dire de ne plus faire de musique du tout. Et c'est ça le problème, c'est que dans les cliniques où des gens ont ce problème, ils arrivent non seulement pour essayer de faire quelque chose, mais en plus, ils ne peuvent plus jouer du tout. Quoi. Donc c'est à devenir fou. Quoi. Et, donc il faut faire très attention, il ne faut pas faire ce que j'ai fait, mais c'est le piano, quoi. C'est les mouvements antagonistes, et puis c'est d'en faire 6 heures par jour. Quoi. Et en plus, à l'époque, je voulais tout faire avec les doigts aussi, comme Mark Knopfler ou Jeff Beck. Non seulement j'apprenais le piano, mais en plus je développais des trémolos pour faire ces trucs de... Des trucs de cornemuse. Ouais. Et j'avais trouvé une technique avec la main droite, c'était génial. Mais ça n'a fait qu'empirer le... Donc voilà, je suis un peu handicapé, mais comme j'ai toujours, j'aurais pu être chaude. Donc ça m'a fait drôle de me replonger un petit peu dans... Je ne savais pas trop, je ne sais toujours pas trop comment aborder cette rencontre, sinon de parler, de vous montrer des trucs, ce que je peux. Mais ce que j'essaie, c'est d'expliquer comment cette notion de musique celtique m'est venue un peu sans trop le savoir, sauf que le jour où j'ai rencontré Steven, il m'a donné les clés et les explications qui me manquaient. Parce qu'en fait...
J'écoutais plein de morceaux à l'époque, comme tout le monde à la radio. Mon grand frère écoutait Cliff Richard, Elvis Presley, etc., etc. Et donc j'entendais plein de morceaux qui me plaisaient, sans que je sache trop pourquoi en fait. Et mes goûts allaient toujours un peu vers des morceaux un peu qui se ressemblaient. Ça allait de des trucs qui je ne savais pas où c'était des traditionnels, des trucs comme le truc des Bee Gees. Ça. Il y avait un autre qui est connu aussi qui était joué par George Benson. Moi j'en avais fait une version que je trouvais encore plus. Ça, ça a été écrit par des gens qui étaient dans les studios à New York et qui étaient payés pour écrire des chansons, dont Mort Schumann faisait partie. C'est là que Mort Schumann a écrit pour Elvis Presley. Et les gars, ils étaient payés par des maisons d'édition pour écrire éventuellement des tubes. Parce que c'est ça que les maisons d'édition. Il y avait ce morceau que je trouve vraiment très celtique et pourtant, a priori, il n'a rien, c'est Broadway. Joué par George Benson. Celtique maintenant, mais c'était pas écrit nulle part, c'était un morceau américain, de pop américaine, mais je sentais il y avait quelque chose qui me plaisait, c'est comme pour ça vachement celtique, le truc de Donovan. Norwegian Wood. Il y en avait d'autres, il y en a tellement.